La tendance reste au rouge sur le marché parisien ce midi dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Et les valeurs technologiques comme ST Microelectronics, lanterne rouge du CAC 40 ce midi, pèsent sur la tendance dans le sillage de leurs homologues américaines et asiatiques. Les valeurs bancaires sont également à la peine, Crédit Agricole notamment, moins 1,6%. Et de son côté, Sanofi souffre d'un abaissement de sa recommandation par Bank of America Merrill Lynch. Le titre perd 1% à la mi-séance. Parmi les rares hausses ce midi, on retrouve Hermès, plus 0,1%. Société Générale a relevé de vendre à conserver son opinion sur la valeur. Elior inscrit le plus fort repli du SBF 120 ce midi, moins 4,5%. Sans surprise, la publication des résultats annuels a été décevante. Il faut dire qu'un sévère avertissement avait été lancé à la mi-novembre. Le groupe a donc accusé un recul de plus de 15% de son résultat net sur l'exercice 2016-2017. Les investisseurs sanctionnent surtout les prévisions. Le groupe table sur une stabilité de son taux de marge d'EBITDA et sur une croissance organique d'au moins 3% pour le prochain exercice. Les objectifs 2020, quant à eux, ne sont plus d'actualité. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.